Le Sahel fait partie des régions du monde où les indicateurs de santé sont parmi les plus bas. Avec plus de 850 décès pour 5 000 naissances vivantes, la mortalité maternelle et infantile demeure l'une des plus élevées. Cela en grande partie lié à l'accès insuffisant aux soins de santé. Il est donc impératif, voire vital, de réduire les déserts médicaux. Cependant, pour une solution durable et soutenue qui impacterait positivement l'état de santé d'une population, il est indéniable de prendre en compte et d'améliorer le niveau d'éducation ainsi que le niveau socio-économique de cette population qui, dans notre contexte, repose essentiellement sur l'agriculture. L'accélérateur digital de santé a été conçu comme un moyen de rémédiation de la problématique de santé publique au Sahel. Avec un accès très faible aux structures de santé, l'accélérateur est une véritable solution. La mise à la disposition des populations, des acteurs du développement de la santé, de l'éducation et de l'agriculture de trois outils numériques adaptés pour faciliter l'accès aux services est une véritable révolution. Ainsi, la télémédecine, par exemple, établira un lien direct entre le patient et le médecin, entre le patient et le pharmacien, ou encore entre le patient et le nutritionniste. L'usage des langues locales sera aussi un atout primordial de démocratisation de l'innovation. L'innovation mise en place par l'accélérateur est l'utilisation de l'indice de pauvreté multidimensionnel, IPER, comme un levier pour renforcer le système de santé publique des collectivités territoriales en appoint aux dispositifs déjà existants. L'ADS MyeBox est un accélérateur pour le renforcement du système de santé publique, incluant l'éducation et l'agriculture. Il s'agit donc d'une solution numérique, entièrement vocale, parlant les langues africaines locales et accessible via plusieurs terminaux tels que les téléphones mobiles, les cabines téléphoniques et les téléviseurs via un décodeur TV. C'est une approche interactive et intégrer santé, éducation, agriculture grâce à trois principales applications que sont MediBox, EduBox et AgriBox pour un impact concret et réel sur l'état de santé des populations. Grâce aux besoins des populations collectées, au réseau des membres, nous pourrons non seulement procéder à une mise à l'échelle contextuelle rapide, mais également une adaptation des besoins des populations en temps réel, ainsi qu'une exportation de l'approche MyeBox. On va prendre en compte nos valeurs, nos connaissances ancrées dans nos cultures, nos connaissances relevant du patrimoine culturel, matériel et immatériel, qui pourrait aider vraiment à soutenir l'élan de promotion de la santé. Alors ça, c'est quand même important. Donc, bienvenue à cette initiative que nous saluons fortement.